Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous lisez bien. Aujourd'hui, on va se faire un petit point lecture sur une saga que j'ai terminée, la saga The Curse, avec le deuxième tome qui s'appelle The Crime et le troisième tome, c'est The Kiss. C'est une saga young adulte qui n'est plus toute récente. Pour ma part, je n'ai plus les tomes en ma possession, je les ai donnés à la MJC à côté de chez moi parce que je ne comptais pas les relire. Alors, ça ne veut pas dire que c'était mauvais, hein, c'était plutôt cool. Mais il y avait déjà le tome 2 qui m'avait un petit peu agacé, et le tome 3 n'était pas vraiment ce que j'attendais. Dans cette saga, il y a des complots politiques, de la romance, de l'action, tout pour plaire, sur un fond plutôt médiéval, et surtout c'est un monde où il y a des maîtres et des esclaves. Il y a un peuple qui a été asservi, un peuple qui était avant supérieur au peuple qui est en train de les asservir, et ils sont devenus des esclaves, et en fait, on va suivre l'histoire de Kestrel, une jeune fille. Kerstrel ou Kestrel, je ne sais plus. Kerstrel. Kirstrel. Et cette jeune fille, elle achète un esclave un jour sur un coup de tête parce que les enchères ont monté. Il y a toute une histoire. Bref, elle n'avait pas prévu de l'acheter, mais elle l'achète. Elle repart avec son esclave à la maison. Elle va découvrir que son esclave, en fait, c'est un type pas mal du tout. Dit comme ça a l'air cucu, mais c'était plutôt bien fait. La jeune fille, elle vient d'une famille très aisée et son père c'est un général, général de l'armée. Pour son père, la jeune fille a deux options, soit se marier, soit s'engager dans l'armée. Donc disons qu'elle ne se réjouit pas exactement de son avenir hein, parce qu'elle n'a pas envie de se marier et elle n'a pas envie non plus de rentrer dans l'armée, elle est trop jeune, elle voudrait pouvoir profiter encore un petit peu. Tout se passe très bien jusqu'à ce qu'elle se rende compte que cet esclave, en fait, il est plutôt à son goût. Il est évident que les maîtres et les esclaves ne fricotent pas ensemble, donc elle est bien embêtée. Il se passe un tas de trucs au niveau politique. Il y a de la guerre, il y a de l'amour, il y a du suspense, il y a donc un rapprochement progressif qui se fait entre les deux. Et on est dans un suspense assez haletant, je dois dire. Ça m'a plutôt plu. Alors dans le tome 1, on met un petit peu tout ça en place, on a un rapprochement, on découvre les personnages. Dans le tome 2, on sera plus sur quelque chose qui relève de l'espionnage, un petit peu mystérieux, comme ça, infiltration, espionnage. Et le tome 3, il est assez hybride, on va dire. Il y a une forme de quête, il y a de la guerre, il y a des batailles, il y a un peu de tout. Et pour moi, ce sont les tomes 1 et 3 qui sont les plus réussis, qui arrivent le mieux à maintenir une espèce de suspense, parce que le tome 2, oui, il y a du suspense, mais il est un peu forcé. Disons qu'il y a pas mal de quiproquos ou de choses qu'il ne faut pas dire, mais qu'ils disent quand même, ou vice-versa. Et bon, il y a beaucoup de choses où on se dit, non, quand même, t'aurais pu éviter. Ce tome 2, je l'ai trouvé un petit peu tiré par les cheveux quand même à certains niveaux, mais le tome 3 m'a beaucoup surprise, surtout le début du tome 3. Je peux rien vous dire pour pas vous spoiler, mais il y avait quand même quelque chose d'assez fort, hein. C'était. Puis on était tenus en haleine. Après la suite du tome 3, ouais, j'ai moins aimé, je me suis un petit peu forcé pour finir, ça, je trouvais ça un peu longuet. Mais dans l'ensemble, c'était une bonne saga, bien que je n'apprécie pas les univers médiévaux. Je n'aime pas quand c'est une ambiance médiévale, et pourtant j'ai apprécié cette saga. Alors je ne l'ai pas appréciée à fond, la preuve, je n'ai plus les livres avec moi, mais quand même, c'est un coup de maître de me faire aimer une histoire qui se passe dans une ambiance médiévale. Alors, il faut vraiment que les personnages soient consistants et que l'histoire soit bonne et que le suspense soit bien maintenu, qu'il y ait un super rythme pour que je reste dedans. Ici, les personnages sont plutôt bien construits pour du young adulte. La jeune fille, ça va. Il y a des moments où on a un peu envie de la secouer, d'autres moments, elle nous agace, d'autres moments, on la trouve chouette, courageuse. La jeune fille, je l'ai plutôt appréciée. Le mec, l'esclave, alors lui, je l'ai trouvé extraordinaire, j'adore ce mec, j'adore ce personnage, qui a un truc un petit peu brut, vous voyez, un petit peu comme certains gars de l'Est, vous voyez, ce côté brut, mais avec des yeux très clairs, très beaux, avec, disons, derrière la carapace, quelque chose qui relève du nounours, hein, on adore ce genre de mec, on adore ce genre de personnage, j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup les conflits intérieurs qu'il pouvait avoir. J'ai apprécié ses réactions, j'ai apprécié son recul, j'ai aimé aussi sa maturité. Tout son comportement dans l'ensemble était parfaitement plausible. Il n'y a pas vraiment de moment où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est que cette décision ridicule?
Non, non, lui, il était vraiment réaliste et chouette. Et il ne ressemblait pas beaucoup aux autres personnages masculins typiques de la young adulte. J'ai trouvé qu'il était assez à part et qu'il avait ce côté mystérieux qui était bien fait. C'est pas le profil classique, cliché du mec taciturne, renfrogné. J'ai toujours les mêmes mots-clés. Non, là, c'était un gars qui était plus complexe que ça. On avait envie de gratouiller les couches, d'enlever, de peler l'oignon pour voir ce qu'il y avait dessous. Et pour du young adulte, je dois dire que c'est assez exceptionnel et c'était plutôt réussi. Je constate que j'ai des taches sur mon pull, c'est de l'eau. J'ai bu un verre d'eau tout à l'heure et c'est parti à la catastrophe. Donc ce n'est que de l'eau, ne vous inquiétez pas, je me lave et je change de vêtements. Même si je m'habille toujours en rose, j'ai énormément de vêtements roses, il faut le savoir. Et puis je m'habille pas toujours en rose non plus. Donc que dire de plus sur cette saga? Donc elle est publiée chez Lumen, j'ai complètement oublié de le dire. Et je n'ai pas non plus cité l'autrice parce que je ne me souviens plus de son nom. Donc c'est écrit sur les petits inserts, The Curse, écrit par une jeune femme brillante, je dois dire. Le confort de lecture de chez Lumen est toujours excellent, c'est écrit pas trop petit, c'est plutôt bien. C'est un grand format, donc c'est ce qu'on attend la plupart du temps, qu'il y ait un bon confort de lecture, parce que ça coûte assez cher, bien que ce soit des tomes qui coûtent que 15 euros, parce qu'ils ont été édités il y a quelques années. Très joli livre, très belle photo de couverture, ça chope, ça attrape l'œil. On aime beaucoup ces photos, elles sont très très belles. Au niveau du style, comme j'ai dit, c'est très young adulte, la traduction est pas mal, et même si le texte est construit de manière un tout petit peu trop young adulte pour moi, ça passe quand même bien parce que l'histoire est chouette, parce que les personnages sont bien construits, parce que les enjeux sont importants, il y a du suspense, il y a des intrigues, il y a des complots, tout ça ensemble dans une ambiance médiévale qui n'est pas trop lourde non plus. Je dis ça pour moi parce que j'ai du mal avec ces ambiances. Bref, c'était une bonne lecture. Les trois tomes ne se valent pas, mais c'est toujours comme ça dans les sagas. Il y a toujours un tome qui est moins bien que les autres. Donc, faites-vous une petite idée, si ça vous dit. Petite saga ambiance médiévale. Esclave, maître, romance, amour interdit. Faites-vous plaisir. Et puis voilà. Et ben moi, j'ai fini mon petit point lecture. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné envie de découvrir cette saga ou d'autres sagas du même style. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez la saga ou si vous avez d'autres sagas à me recommander. Je suis preneuse. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.